La Journée internationale de la femme a eu une connotation particulière à Zuenoula. Ce 8 mars, la localité a bénéficié de la présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, fils de la région. Cette journée a été marquée par l'engagement des femmes de Zuenoula à lutter contre l'analphabétisme. Pour ces femmes, savoir lire et écrire fait partie des objectifs du millénaire pour le développement. Une nécessité également pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Quand une femme est formée, elle est instruite, c'est comme si c'est toute une maison qui est formée et qui est instruite aussi. Parce que quand la femme est analphabète, ça cause vraiment beaucoup de problèmes à la maison. Ah, pourtant, quand la femme est allée un peu à l'école, elle sait au moins écrire. Les femmes de Zuenoula, pour lutter contre l'analphabétisme, peuvent compter sur le ministre d'État Charles Kofi Dibi, qui a décidé de soutenir financièrement le projet, tout en invitant les femmes de Zuenoula à croire en cette Côte d'Ivoire qui est au travail. La Journée internationale de la femme n'a jamais été fêtée ici à Zuenoula, c'est la première édition. Et j'ai tenu à être là, avec vous. Chère population de Zuenoula, je voudrais clore mes propos en vous donnant une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle et rassurante. Le président de la République, Alassane Ouattara, va très bien. Le pays est gouverné et bien gouverné. La cérémonie s'est achevée par un autre don de l'ordre du jour, des machines à coudre à l'IFEF de Zuenoula, toujours pour le bonheur des femmes de la localité.